comment l'archéologie corroborer la Bible. Dans le siècle passé, nous jouons des découvertes remarquables qui fait au niveau de l'ère chrétienne. Et pas gagné une discipline qui contribue plus dans faciliter interpréter la Bible et rendre la Bible facile pour lire autre que l'archéologie. Cependant, c'est une discipline tout qui te gagne des moments d'embarrassement tout. Par exemple, si nous prenons en 1929, gagné Sir Leonard Woolley qui dit que l'y découvrit en Mésopotamie pendant la fait excavation, l'y découvrit traces et déluge là. Bon, malheureusement pour lui-même, lorsque le considérait que le fait découverte ça, il t'a pris un embarrassement pour lui. Et pour qui ça? Parce que t'as pris gain d'autres couches de sédiments et que t'as pris découvrir ça et là et qui vient montrer que effectivement ça l'ouais a pas gain rien à ouais. Alors ça le pensait le découvrir pas gain rien à ouais avec déluge là. Et gain l'autre déclaration qui fait tout en coup gain de monde qui dit que yo découvrir et qui côté jardin d'Eden teyé, gain qui dit que yo joine qui côté l'arche de l'alliance là yé. Et tout bagay sa yo, c'est des bagay qui créent confusion et parmi différentes découvertes qu'a fait au niveau de l'ancien Proche-Orient. Cependant, vrai archéologien, vrai rôle archéologien, li pa la pour le prouver la Bible. Parce que type de preuve n'a pas li yo, yo disponible seulement dans les sciences déductives yo, tant qu'ou mathématiques avec logique. Au contraire, qui rôle archéologie? Rôle archéologie, on dit que il y a trois rôles principaux que nous capable mettre en avant. Premièrement, c'est fournir matériel culturel épigraphique avec artefacts pour que nous capable arriver à un arrière-plan qui fiable, qui facilite l'interprétation de la Bible. Deuxièmement, c'est assurer que événements bibliques yo représenté et dans la géographie et dans le temps pour époque que ont écrit yo. Et troisièmement, c'est by confiance dans la révélation de Dieu en sorte pour particulièrement vérité qui exprimé dans un contexte historique donc pour capable présenter fiabilité événement ça qui relaté. Mais lorsque vous regardez dans les siècles passés, vous prenez compte que archéologie li arrivé si vous voulez bâtir tout yon cas pour la fiabilité de la Bible. Pour qui ça? Parce que te gen en pile moun que la Bible te kon ap cité non yo, mais ou pa jwenn yo. Non seulement te gen moun, mais te gen des peuples, te gen des endroits, te gen des pratiques, te gen des histoires et même des situations politiques que la Bible relate, mais que yo pa jwenn yo véritablement dans l'ancien temps. Et donc ça t'a pris un problème et c'est le ça archéologie vini. Alors faut me préciser tout que archéologie pas une discipline qui tellement ancien. À peine si archéologie gain 150 ans. Donc pendant ces 150 dernières années, gain de découvertes extraordinaires qui fait et qui viennent mettre la Bible si vous voulez comme en position d'autorité pour ça qui concerne fiabilité des faits que lui-même lui rapporte. On considère d'abord et monde que yo pas trouvé yo. Alors monde que la Bible rapporte que yo pas trouvé. Par exemple, et lorsque on lit Ésaïe 20 verset 1er, Ésaïe 20 verset 1er parlait d'un certain roi d'Assyrie qui était relé Sargon. Mais cependant, tout chercher monde te kon chercher roi Sargon ça, yo pas jamais venu. Donc c'est ça qui fait monde te penser que la Bible t'a bay menti dans contexte ça. Cependant, lorsque yo fait et si vous voulez excavation sous site Ninive là, yo arrivé ouais que t'es gon problème sous site là. La Bible lui-même li alors lorsque ouais problème là, yo t'es qu'on supposé que c'est la Bible qui t'es dans l'erreur. Cependant en 1843, ou bien Paul Émile Botta qui joignit un site vierge au nord-est de Ninive, yon site qui ont après fait excavation sous lui. Alors c'est l'université Chicago qui t'a après fait excavation sous lui et publié détails en 1930. Qui ça que ouais? Yo joine que Sargon effectivement t'est construit capitale là en l'an 717 avant Jésus-Christ
et que petit li t'est déplacé capitale ça vers Ninive et c'est ça qui fait site ça ou pas capable joindre non Sargon sous li mais jodi a ou joindre non Sargon tout partout. Alors c'est si vous laissez non roi qui pi fameux en termes de monarque de la Syrie. Donc ça encore c'est grâce à l'archéologie qui permet ça. Un autre bagage encore c'est le roi Belshazzar. En pile monde toujours pensé que alors avant l'archéologie, on était pensé que la Bible était dans l'erreur lorsque il était affirmé que Belshazzar c'était dernier roi qui t'a gouverné à Babylone selon Daniel 5 verset 1 à 30. Mais cependant jusqu'à 1929, des découvertes extra-bibliques pointaient le doigt vers un certain Nabonidus et qui lui-même l'était roi à la chute de Babylone en l'an 539. Donc lorsque Kounia là ou gade ça, bon, gon problème parce que la Bible dit que c'était Belshazzar qui était roi à la chute de Babylone. Cependant, des découvertes extra-bibliques montraient que c'est Nabonidus et qui était roi à la chute de Babylone en l'an 539. Alors, conflit apparent ça, archéologie t'a pral permettre nous mettre ça en lumière. Il t'a pral révéler que Nabonidus lui-même, il était pas son quantité temps en Arabie. Et puis pendant que lui en Arabie, lui quittait le gouvernement du royaume à son grand frère Belshazzar, qui lui-même était dirigé comme co-régent pendant plus de 10 ans. Et qui s'est passé? Et donc c'est pendant période ça où t'as pas gagné la chute de Babylone et effectivement chute ça t'as pas le fait sous qui est? Lui t'as pas le fait sous Belshazzar. Effectivement, genre que la Bible t'a expliqué là. L'autre découverte qui fait gain plus de gain pile nom que moun arrivé découvrir et à travers archéologie nom tant que roi et Jojakin qui était en présence à Babylone et Sambala qui était gouverneur de Samarie sur le temps et de Néhémie avec adversaire Néhémie tant que Tobija l'Ammonite Geshem l'Arabe selon Néhémie 2 verset 19. Et l'autre découverte encore pour nom qui cité dans la Bible, tant que nom Balaam, Ahab, Jéhu, Ézéchias, etc. Et donc l'archéologie mettait en lumière tout bagaille ça yo qui était caché ou bien qui pas que monde pas connaît, mais parce que yo pas de gain information ça pour eux même la Bible pas fiable. Et donc l'archéologie dans sens ça, li vin asseoir la fiabilité de la Bible dans sens que li arrivé corroborer, li fait que even ça que le découvri yo corroborer ça que la Bible t'a annoncé. Non seulement des individus des particuliers, mais aussi des peuples parce que jusqu'à ce que ou te vin gagner un monde tant que Hugo Winkler qui t'a découvri l'empire Hittien en 1906. En pile monde te pensé que lorsque la Bible a insisté sur les Hittiens qui t'ai fait partie de Canaan, yo t'ai pensé que la Bible t'ai dans erreur selon l'écrit Genèse 10 verset 15, Josué 1er verset 4. Mais je dis au compte ça qui passé, ou gain des volumes de livres qui écrit sur l'empire Hittien, qui écrit sur les Hittiens ou gain pile dictionnaire qui pour qui ça parce que gain des tablettes qui ont été découvertes et qui ont retracé civilisation ça dans le passé. Et c'est même bagaille pour l'autre groupe tant que les Horites qui c'est des descendants des Ahu et qui étaient sortis dans Édom et selon Genèse 36 verset 20, Deutéronome 2 verset 12 et verset 22. Et en 1995, Giorgio Bucelati les découvrit en capitale Horite. Et si vous voulez, qui c'est dans son relais, la Syrie moderne, dans la cité que vous relais, Tel Mozan. Et donc, jusqu'à présent, l'archéologie non seulement confirme les noms de particuliers que la Bible citait, les noms des rois, les noms des officiels et dirigeants, mais elle confirme tout des peuples que le monde ne pensait pas exister et que Kounia, grâce à l'archéologie, a découvert la civilisation. Non seulement des particuliers, des peuples, mais des endroits tout. Par exemple, lorsque on lit dans 1 roi 9 verset 28, la parle de roi Salomon et qui t'a acheté plus de 16 tonnes d'or d'Ophir. Mais cependant,
au fil son bagage que yo pensait que pas t'exister, yo cherché le tout partout, yo pas arrivé joindre une ville qui était relé au fil. Cependant, en 1956 à Tel Kazil en Israël, yo tombé sous une poterie qui gen inscription ça, à savoir yon cargaison d'or d'Ophir et qui sorti dans Bet Oron et qui c'est 30 shekels. Alors ça que ça intéressant c'est que gen deux bagages. Premièrement, yo te pensé que Ophir pas vraiment existé à cette époque, mais yo te pensé que pour quantité l'or ça que y a parlé là, yo pas croire que te gen type de commerce ça. Mais cependant l'archéologie t'a pral confirmer effectivement te gon gros commerce d'or qui te qu'on a fait et Ophir li te identifié comme un port et si vous voulez qui a 75 km de au nord de Bombay et en Inde et qui c'est là où te qu'on joine type de transaction ça ou bien yon route pour type de transaction ça et donc ça qui confirmé encore une fois ça que la Bible dit. Un autre exemple de site qui était toujours en dispute et au niveau de Exode et au niveau de Nombre 33 particulièrement et pour dire que route que Israël te prend lorsque l'a sorti en Égypte, yo pas joindre route ça sous carte là. Donc yo pas capable croire que bagaille ça c'est vrai. Cependant, Charles Kralmakov t'a pral noter 3 maps égyptiens pour expliquer route ça, route arabe vers la plaine de Moab. Et ceci à travers, si vous voulez, et yon inscription et que d'y arriver découvrir pour ça qui concernait le mur de Karnak pendant le règne de Thotmose III et qui était vivre entre 1504 et 1450 avant Jésus-Christ. Et selon l'Issa que monsieur découvrit, qui baille yon trajectoire et que yon différents routes qui capable exister pour la sortie de l'Égypte et vers destination côté Israël d'Abraham, li joigni exactement même gens que li indiqué dans la Bible au niveau de Nombre 33 et ceci le joigni avec une précision extraordinaire qu'on trouve 4 stations qui notaient Ivim, Dibon, Abel et Jordan et donc qui corroborait avec un pile exactitude ça que la Bible t'a annoncé. Mais ou joine l'autre découverte tout qui sensationnel et par exemple ou joine une découverte qui faite par Greenfield en Égypte en 1920 et côté ou découvrir ça ou relé et les papyrus de John Ryland. Papyrus ça yo c'est des bagages qui extrêmement important et là dedans ou joine un fragment et du Nouveau Testament. Et où venons petit morceau tout, c'est pour ça qui concerne le livre de Jean, Jean 18, 31, 33, 37, 38, et qui datait selon papyrologie de l'an 125 après Jésus-Christ. Mais ça, c'est un qui est intéressant parce que tout le monde est toujours dit, lorsque vous avez étudié le livre de Jean, vous estimez que Jean, son livre qui écrit au deuxième siècle, contrairement à ça que le monde est capable de penser lorsque vous appelez les Écritures, lorsque vous connaissez Jean. Et donc, vous êtes capable de dater le livre ça entre 85 et 90 après Jésus-Christ. Mais cependant, avec découverte papyrus ça, il est impossible pour que le livre de Jean soit capable de fourrer dans la catégorie écrit au deuxième siècle. Donc, le livre Jean, techniquement, il est écrit avant le deuxième siècle, selon découverte ça qui fait. L'autre découverte qui est significative tout, c'est les rouleaux de la mer morte que ont découvert en 1948 pendant qu'ils ont fait une excavation et dans une cave au Cameroun et si vous voulez qui c'est au nord-ouest et si vous voulez de la mer morte. Qui ça a découvert? Ils ont découvert plus de 800 manuscrits avec un pile livre capable dit qui en partie ou en totalité l'Ancien Testament à l'exception du livre d'Esther que on pas joindre là-dedans. Mais avant ça, lorsque vous avez lu le texte, lorsque le texte hébreu a gagné, c'était le texte qui était seulement daté de 1000 ans avant Jésus-Christ. Mais cependant, avec le rouleau de la mer morte, vous arrivez à joindre des textes qui sont encore plus anciens que ça. Et tout texte, vous aidez à corroborer les Écritures. Si par exemple, vous prenez Esaïe, vous joignez une quantité de textes dans Esaïe, vous êtes capable de dire que vous arrivez à découvrir seulement 3 mots
qui gen ti modification ou bien trois mots qui écrit différemment au niveau du livre d'Ésaïe. Donc ce qui confirmait, si vous voulez, la véracité, ce qui confirmait, si vous voulez, ça que nous gagnons maintenant en tant que livre jodia et qui c'est effectivement une copie de une copie de une copie, mais cependant avec la critique textuelle et possibilité que nous gagnons par rapport avec différents copies que nous gagnons, nous capables de connaître exactement qui ça t'est dit dans le texte original. Et en 1990, yo jwenn yon zo squelette et accidentellement pendant que y a travaillé dans une forêt à Jérusalem et qui marqué et ossuaire, alors qui gon inscription bon côté qui marqué ossuaire de Caïf, et yo estimé que son bagay qui était appartenu et à Caïf et entre l'an 18 et l'an 36 et de l'ère chrétienne, et même Jean que et qui rapportait au niveau de la Bible personnage ça qui c'était Caïf, et ou qu'un historien juif, et c'est Joseph, et qui lui-même te permettre que nous t'es capable de découvrir non complet Caïf, c'est Joseph Caïf, et qui c'était un grand prêtre et à cette époque, et à partir de là ça permet au capable de retracer et faire connexion qui existait entre personnages ça que la Bible t'a parlé, qui était joué rôle significatif en termes de yon nan moun qui était opposé à ministère de Jésus, et le fait que son monde qui était existé effectivement. Et lorsque archéologues yo continue à travailler, yo joine une quantité lot et personnages qui corroborer les écritures, tant qu'yo joine des inscriptions pour Ponce Pilate, et dans excavation yo joine la piscine de Siloé, et qui ça son bagage que vous avez découvert en 2004, c'est-à-dire assez récemment, hein? Et même Jean que lui exprimé dans Deutéronome 7 verset 19, et gain l'autre point que gain l'autre inscription, il a découvert une amulette de Inon, enfin une amulette qui pour un monde qui aurait les Ketef Imon, et il a découvert en 1979, et qui gagne une inscription là-dedans qui, si vous voulez, semblait exactement à ça qui dit dans Nombre 6 verset 24-26 et Deutéronome 7 verset 9, et avec une quantité d'autres objets encore qui, si vous voulez, qui corroborait les écritures. Donc jusqu'à présent, on capable dire que gagne une harmonie parfaite qui développait entre l'archéologie et la Bible. C'est comme si la Bible pointait du doigt à archéologues yo qui côté pour y aller fouiller, qui côté pour y aller faire excavation, et lorsque y aller yo joine bagay yo exactement jan que la Bible te dit. Donc dans sens ça, archéologie non seulement li illuminer mais li corroborer ça qui dit dans les écritures de plusieurs manières. Et donc pour yon moun k'ap interpréter la Bible, l'archéologie c'est un bon ami, non seulement pour permettre d'être capable de comprendre les écritures, mais pour permettre d'être capable de supporter et argumenter les écritures, parce que yo fiable sur le plan historique, sur le plan géographique, sur le plan culturel, exactement tel que texte yo révélé dans les écritures. Donc dans ce sens ça, nous capable dire exactement comment l'archéologie corroborer la Bible.